En décidant de faire un reportage sur la Zaouïa de Sidi Ali Talib située à Koukou, dans la commune de Zeït Yahia El Hammam, dans le nord-est de l'Algérie, nous étions loin d'imaginer que d'un modeste reportage, nous allions aboutir à un documentaire historique sur une époque très riche en événements dans le passé lointain de cette région montagneuse de la Kabylie du Djurdjura. Ce nouveau défi va nous demander des mois de travail. Nous voulions à tout prix respecter la rigueur scientifique pour cerner au plus près ces événements. Cette quête va nous conduire vers une figure quasi oubliée de la région, Ahmed al-Qadhi, qui vécut au XVIe siècle. Pendant notre reportage, et suite à une question habituelle sur la datation des bâtiments qui nous semblait assez ancien, le nom du royaume de Koukou revenait souvent, et surtout, un des vieux présents nous parla d'un don fait par le dernier descendant de cette dynastie, au marabout Sidi Ali Talib. Notre curiosité fut attisée, ce qui nous poussa à aller plus loin dans nos recherches. Au début sur le royaume de Koukou, mais vu la richesse du sujet, nous avions décidé de limiter notre travail à une seule figure de cette dynastie, Ahmed al-Qadhi. En arrivant à Sedelfoufla, village principal de Koukou, nous avions du mal à imaginer qu'un si modeste hameau ait pu abriter un moment de l'histoire de l'Algérie, le seul royaume de la Kabylie du Djurdjura. Ce royaume a rayonné pendant des décennies sur une partie de la Haute Kabylie, sur la vallée du Sebaou et sur le littoral est de l'Algérie actuelle. Il y avait certes un autre royaume kabyle, mais situé plus à l'est, dans l'actuelle Basse-Kabylie, le royaume des États Abbès, avec lequel d'ailleurs le royaume de Koukou était en éternelle concurrence, pour ne pas dire conflit. De ce royaume, qui serait fondé vers 1511, ce modeste village ne garde que de disparaître vestiges qui font la fierté des villageois. Malheureusement, aucune action concrète de la part des autorités n'a été entreprise pour sauvegarder les ruines. Elles sont livrées aux herbes folles et à la dégradation des ans. Comme dans toute l'histoire de la Kabylie, la légende côtoie souvent le fait historique. En effet, dans notre recherche sur l'origine du nom Koukou, qui semble-t-il n'est pas d'origine kabyle, nous n'avons eu que des légendes à l'exemple de celle-ci. Le nom de Koukou viendrait d'après les habitants des lieux de noix de coco, que les montagnards kabyles ont déformé en Koukou. Il raconte qu'un roi d'Afrique noire aurait offert au souverain local des graines de cocotier que ce dernier aurait semé dans son village. Les villageois en auraient assuré l'entretien et la garde. D'autres disent que le nom fait référence à une cité prospère du Niger Gao. Bien sûr, ces histoires sont à la légende, mais nous n'avons pas pu trouver une explication rationnelle au nom du village.
Le village Koukou est en réalité un groupement de hameaux qui sont maintenant tous autonomes. Il s'agit des villages d'Eit Haroun, d'Eit Bali, de Bouktol, de Ridhfod, de Tegmount, en plus du village mère Seder Soufella. La majorité de ces villages est composée pour chacun d'une seule famille avec ses ramifications. Nous montons au haut du village et nous comprenons la position géostratégique des lieux. Véritable nid d'aigle, un observateur situé sur cette crête embrasse du regard toute la vallée du Sebaou. Seule voie d'accès en ce temps-là pour les troupes d'un éventuel ennemi. C'était un excellent observatoire de son territoire. Certains enfin diront qu'il a dû repérer cet endroit de son village d'origine, Aourira Trobré, que l'on peut apercevoir au loin. Mais qui est cet Ahmed Al-Qadhi? On trouve trace de cette famille d'abord au XIVe siècle. En effet, les Al-Qadhi seraient d'après nos recherches les descendants d'Abu Abbas Al-Ghubrani, juriste et cadi à Béjaïa, sous le règne du roi Hafsid Aboul Baqa. Le royaume Hafsid était un royaume berbère du XIVe siècle, dont le territoire englobait la Tunisie actuelle et la partie est de l'Algérie jusqu'à Béjaïa. Al-Ghubrani est né en 1246 et serait originaire du village Aourira Trobré dans l'actuelle Azazga. Il serait mort étranglé dans sa prison de Béjaïa en 1305. Il a été victime d'un complot de ses adversaires qui avaient réussi à le faire accuser de trahison. Le prince Hafsid de Béjaïa ordonna son emprisonnement. Il fut assassiné dans sa cellule, sûrement par ses mêmes adversaires. Sa veuve, pour se protéger et protéger son fils, s'enfuit et se réfugia à Tunis. Tous ces événements sont rapportés par Ibn Khaldoun dans son livre « Histoire des Berbères ». Bien sûr, d'autres hypothèses sont émises sur l'origine de cette illustre famille, les origines d'Idriside ou de Saqi al-Hamra. Donc, Madame Meslayev, l'origine de la famille Nathal Khadim, a tassé, ou bien, 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 l'origine des Idrissides, ou bien, 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 عطاس كلقيم دي مثلا في الامور هكا بين كنا اين نزمره دنيني سيك بوليفا سي اون ريفيرونس دون ليستوار دو لا كابيلي ينا بلي هكا لا سليس داكي انا فوق غير اي على الاوريجين سون انسيتر سي دي ابو العباس الغبرني كي تي ان سافون جوريست دو 13ام سيكل يخدم لنا افيك Il est Hafsid Abou Baqa, Ibn Gilgayef. Et comme il avait exercé comme Qadi, donc toute sa descendance par la suite prendra le nom Nath al-Qadi, donc les Bel Qadi Sa'araf, Ibn al-Qadi, Strabaylith, Nath al-Qadi.